Salut tout le monde, c'est Jeff55. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode d'Alliance Colonial Marines sur PC. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt nickel. Du coup, on continue notre mission pour sauver non pas le soldat Ryan, mais un Marines qui est pris en otage. Donc, alors, soit par là, j'imagine. Oui, il y a du mouvement. Allez, on ouvre la porte. Bonjour. Ah oh, putain. Allez, allez, dans les jambes. Ah, vous savez bien que j'aime. J'aime ça dans les jambes. Alors, du coup, maintenant. C'est pas ça qu'il faut désactiver ou je sais pas quoi. Non, bon. Non, faut pas faire ça. Allez. Oh putain. Tous ces conséquences, d'accord. Ah non, en fait, d'accord, il était là. Ok, Sony qui s'en est chargé, bah tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Parce que le module de secours prendra le relais presque immédiatement. Ça marchera pas. Putain, c'est vrai. Compris. Je suis sûr que si on pirate les régulateurs de toutes les cellules et qu'on remet le jus, le modèle de secours prendra le relais pour alimenter ces cellules, c'est clair. Ce qui ferait péter tout le système. Donc pas de courant pour les appareils de sécurité. Ok, ça fera tout payer. Occupe-toi de celle du bas. Je me charge de celle-ci. Alors, désactive 3 cellules pour couper le courant. Très bien. Du coup, c'est en bas qu'il a dit qu'il faut que j'aille. Et bah, très bien. On va faire ça. Tout de suite. Ouh, pardon. Du coup, voilà, il faut que je retourne en bas. Par contre, je suis pas très bon au niveau des missions. Ouais. J'ai connu mieux. Merde alors. Il m'a dit d'aller en bas, mais. Alors. Oui. En fait, j'ai pas beaucoup d'indications dans ce qu'il voulait exactement ce que je fasse. Je n'ai pas tout compris, je vous l'avoue, je vous l'avoue. Ouais. On est par là, tiens. Non, c'est par là qu'on est allé. Les indications de liste n'étaient pas très claires. Oh là là. Et bordel. Bon, attendez. Ah, peut-être par là. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, et ben on n'a rien! Bah, c'est magnifique. Et par là. Ah, voilà. Non, c'est juste un journal audio en fait. Ouh, grade up. Bon, on s'en fout un petit peu. Du coup, ah merde, je suis paumé. Peut-être revenir en haut en fait. Je vais faire ça. Alors, on va revenir en haut et on va pas. Attendez, ah, j'ai trouvé un truc qui me plaît. Je ne peux pas l'avoir. Très bien. Ouais, je peux même pas l'avoir comme ça, non. Bon, alors. Alors. Bon, on va aller là. Oh, il y a de l'ennemi. Ça se rapproche. Alors, écoutez, on va y aller en fufu. C'était quoi ce bruit? C'était moi? C'était. Je sais pas. Je ne sais point. Alors. Du coup, c'est quoi qu'il faut désactiver déjà? Bonjour monsieur. Non, vous m'avez pas vu.
Ah quoi? Non, 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 pas du tout. Ah là! Ouh, alors, dans la catégorie cri bizarre lors de la mort, je décerne la palme d'or à ce type. Allez, hop, on désactive ça. Plus que deux. Si j'ai bien compris, d'accord, ok, c'est des trucs comme ça qu'il faut désactiver. Bon, c'est un peu plus clair comme ça. Alors par là. Oh, bien. Ah, il est où celui qui tire là? Il est où? Ouais, je l'ai pas bien vu. Oh là là. Et c'est par où? C'est par où? C'est par là. Non, c'est verrouillé. Très bien. Très très bien. Oh là là, c'était un vrai dédale, ce bâtiment. Mais putain, mais putain. Non, on a dit que c'était pas par là. Attendez, on va monter par là, là. Bah non, c'est là où je viens. Oh là là. Mais Geoff, voyons, voyons. Bon, on l'a fait celui-là. Hein. Maintenant, il faut en faire deux autres qui doivent être sûrement dans le même étage. Réfléchissons. Là, ça ne va pas s'ouvrir. Il y a peut-être un autre passage, une autre porte. Ce qui n'est pas impossible. Ok, en fait, les mecs qui gueulent, ils sont en fait à l'intérieur. Donc, pour l'instant, ils nous veulent pas trop de mal. Oh là là, mais je suis paumé, c'est incroyable. On va aller par là. Ça me paraissait une bonne idée sur le papier. Ben oui, c'était une bonne idée. Bonjour. Voilà. Parfait. Il y en avait qu'un. Voilà. Le deuxième. Le troisième, je pense savoir où c'est qu'il faut aller. Déjà, faut que je sache sortir d'ici. On va sortir par l'entrée. Oh putain, je suis paumé, mais c'est incroyable. Alors, le troisième. Le troisième, je pense que c'est l'endroit où il y avait une petite porte. Non, elle est toujours rouge la porte en fait. Ah non, c'est moi qui étais bloqué. Alors, bon. On se rend pas par là, on peut parler? Bah alors, bah alors. Et bah alors. Faut pas aller par là, non. Bonjour, messieurs. Non, ça marche pas. Bah écoutez, c'est quand même bizarre ça. Cette histoire-là. Je peux même pas, genre. Non, faut un G-code, hein, c'est ça. Pouf, 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 pouf. Oh là là. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, bon, je vais continuer quand même par là. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oh, il y a une armure par ici, ça m'intéresse bien. Voilà. Ah, c'est celle qui était cachée tout à l'heure. Punaise, mais c'est quoi ce bordel? J'étais déjà là. À moins qu'il y ait une porte vers un autre lieu à partir d'ici. Mais non.
Mais non. Oh, le bordel. Le bordel. Pas par là, évidemment. Par là, il y a quelque chose. Et non, je suis déjà allé par là. Oh, là, 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 là. Je peux pas, genre. Attends voir. Par contre, là, si je me loupe. Non. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Ah, le bordel. Mais. Mais zut! C'est par où qu'il faut aller? Ah, il y a peut-être une trappe. Il y a peut-être une trappe. Quelque chose comme ça. Non? Non, bon, bah, allez vous faire. Hein. Allez vous faire. Non. Oh! Ah, voilà! Bonjour tout le monde, c'est ici la fête. Il y en aura pour tout le monde. Voilà, surtout pour toi. Eh ben voilà! Mon Dieu, c'était compliqué. Des balles. Et voilà, le troisième et dernier. Eh bien parfait. Retourne à la salle des commandes du module énergétique pour l'éteindre. Eh ben on y va! Oh là 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 là. C'était pas un simple quand même. Hein. Fallait vraiment le trouver. Les Xénos sont sur le point de passer la barrière. Vous êtes sûr de vouloir faire ça, se rester là-bas? Ils n'ont pas la moindre chance. Ils auraient dû penser avant que leur action ne conduise à la mort de 300 Marines. Allez, vas-y. Bon. Allez. On éteint le module. Et voilà, tout s'éteint. Et on a fini une mission. Enfin, un chapitre. Mission 7, terminée. Ah bah, dis donc, cette mission-là, elle aura duré un petit bout de temps, hein. Deux épisodes et demi. Bon. À nous la prochaine mission. La mission 8, donc. Et avec la mission 8. Alors j'ai regardé, il nous reste en tout il y a 11 missions, donc 8, 9, 10, 11, 4 missions en tout, 4 missions. On se rapproche petit à petit de la fin. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Expression plus utilisée depuis les années 40, bien entendu. Commandant du Sulaco, ici Winter, en route pour l'extraction de l'otage. On cherche quoi exactement? Bien reçu. La Welland le retient prisonnier de l'autre côté de la structure, dans un module de sécurité, si j'en crois le registre. Alors ramenez-le. Homme paré, en marche! Oui, j'ai pas beaucoup de munitions, hein. Ouh la vache, c'est le gros bordel dehors, c'est le gros bordel. Bon. On espère qu'il en vaut le coup, cet otage-là, à récupérer, hein, parce que sinon. Alors, par là. Bon. Toujours pas de balles, de munitions. Oh là 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 là, c'est la dèche totale. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, hop. Les tentatives préliminaires pour développer une reine xénomorphe vivante ont fonctionné incroyablement bien. Bien que sa présence ne nous ait indiqué aucune sorte de contrôle phéromonal de ses enfants, malheureusement, elle produit des œufs à rythme régulier. Les tranquillisants que nous lui avons administrés avec sa nourriture semblent la rendre relativement. D'accord. Non, je me suis arrêté parce que ça m'intéresse un peu la biologie de la reine. Bon. Tout Alors, est concentré passons dans ce vite. module. Les Xénos savaient tous comment venir ici.
Ah, forcément, s'il y a une reine en présence dans ce module, les autres xénos savent comment y aller. Enfin, ils savent où y aller. Bon, après, pour rentrer, c'est une refaire. Commandant, vous voyez ça? Oh putain! C'est quoi cette saloperie? C'est la reine. Répétez, O'Neill. Vous avez dit reine? Comment vous voulez l'appeler? Elle pond des œufs. Elle est magnifique! Putain. Ouh la vache! O'Neill, on se casse. Ah bah oui, on se casse, hein. Putain. Oh putain! Vite, 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 on se barre, on se barre, on se barre. Oh! Oh putain! Oh! Oh mon dieu! Je serais bien resté pour voir tout ce monde massacré, mais j'ai. Oh! Les chettes! Oh putain! Oh la reine, elle est pas contente. Elle est pas contente. Mais alors en fait, le gros truc qu'on a. Oh putain! Le gros truc qu'on a buté avec le robot, c'était pas une reine alors? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Si on considère que les aliens sont comme des fourmis, on a la reine, on a les ouvriers, enfin les ouvrières, il y a aussi les soldats, ça pourrait correspondre à un soldat. C'est pas impossible, hein, mais bon, on ne saura pas. Ou un mâle, peut-être un fécondeur. Tout, il y a tant de possibilités, mais pas de réponse. Et ça, c'est dommage. En tout cas, la reine s'est bien fait plaisir, hein. Yosh. Oh. Oula, c'est la fête. C'est la fête. Il y a du xéno, enfin il y a du crasher en plus. Oh les saloperies! Ce qui est bien, c'est que les marines sont un peu occupés. Enfin, ils s'occupent mutuellement, les aliens puis les marines. Voilà bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est la lumière qui manque. Oh là là, oh là là, il y a du peuple. Oh là là. Allez, on va faire ça de loin. Pour être tranquille. Putain, il suffit que je dise ça pour que. C'est pas vrai. Casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Mais c'est pas vrai. Voilà. Alors. Il y a encore. Oh putain. Il y a du peuple. Il y a du peuple. C'est. Il y a quelque chose qui a volé. Oh là 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 là. On va le retour des champions sur longueur. Oh la vache. Mais ce sont des. Oui. Oh le bordel. Oh là là. Oh là. Mais alors lui, c'est un champion. Bien. Ah par contre la vache, j'ai plus trop de munitions. Oh putain. Je suis pas dans la merde, je suis pas dans la merde, je suis pas dans la merde, je suis pas dans la merde. Oh, bien joué. Bien joué. Par contre, je vais juste me cacher un petit peu là. Et puis, changer mon arme secondaire. Et je prends LFZ à pompe. Voilà. Je pense que là, ça va un petit peu chier des bulles. Oh, bah, il suffit que je change d'arme pour qu'il n'y ait plus personne. Ah bah je ramasse tout ça moi. Eh ben dites-moi. Eh ben. C'est super, tout ça c'est super. Bah finalement je peux récupérer un tant soit peu mon fusil à impulsion. Voilà, je cherchais le nom de cette arme. Attention. Oh, ça aussi ça me plaît. C'est la caverne d'Ali Baba, dites-moi. Alors. Il me faut un rapport sur le marine. L'avez-vous enfin localisé? Disons qu'on est un peu occupé là. On dirait que le
Je confirme. Ah putain de foutoir. Merde, j'ai cru qu'il était mort. Et voilà, là il est mort. Bon, où est-ce qu'il est sous Submarines? Point de contrôle atteint, super. Oh là, il y a du stuff, mais en veux-tu, en voilà. Voilà, oh là là, oh là là. Oh, ça fait... mais ça fait plaisir tout ça. C'est Noël avant l'heure. Attention. Attention. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Voilà. Bien, bien, bien. Par là, on peut pas aller. Si, si, si. On peut y aller. Il y a quoi? Il y a du stuff. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a? On est dehors, c'est tout. Bon. C'était vraisemblablement pas là qu'il fallait aller. Tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. On aura récupéré quelques munitions, c'est déjà ça. Et on a d'autres en plus. Oh là 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 là. Papa Noël est généreux avec nous. Il est généreux, généreux. Ça fait plaisir. Oh mais regardez, regardez-moi, regardez-moi ça. Oh ce stuff, ce stuff, ce stuff. On est riche comme Crésus. Oh là là, oh là là. Oh là, c'est la fiesta, c'est la fiesta. Toi là t'attends quoi? T'attends le déluge? Oui bah forcément si t'attends comme ça bah... J'aime regarder mes amis se faire massacrer. C'est mauvais pour ta santé. Ah bah dis donc, dis donc. Voilà tout ce peuple. C'est un véritable génocide. Allez, on va aider un petit peu au Nils, quand même, hein. Il le mérite, il le mérite. Voilà. Bon Dieu, bon Dieu. Ah là là, ah là, ça fait plaisir, tant de stuff, tant de stuff. Ah là 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 là. Que ça fait plaisir. Allez, on continue, on continue. Oh, oh, attention. Allez, let's go. On mitraille tout ce qui bouge. Encore du stuff, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors. Par derrière. Ouh, 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 ouh là. Parfait. Ah, yes. Ouh, il a explosé. Tant mieux. Oh putain, les crasheurs. Allez, technique du crabe. On s'en fout. Il est mal. Voilà. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Tant pis. On bute de la hyène. Bon, allez. Et qu'est-ce qu'il a rampé celui-là? Voilà. Bien. Bien, bien. Oh là là, ils arrivent par en haut, oh là là. Allez, mais tu te casses. Merci, O'Neill. Derrière toi. Voilà. Eh ben écoute, ça se passe correctement. Malgré le gros bordel monstre, la totale anarchie, on se débrouille pas mal avec tout ce stuff qui fait plaisir. Ensuite, ensuite. Oh mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. On ferme la porte, point de contrôle. Et bah vous savez quoi, bah on se laisse ici pour cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, faites partager les vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Les liens sont dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao les amis.